Hey, salut bande de petites couscous, comment allez-vous aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, je vais vous apprendre comment copier et coller une map, enfin une maison ou autre dans un autre monde avec Word Edit. Donc, on va commencer ça tout de suite. Donc, je vais me remettre mais dans le bon sens parce que sinon ça va être compliqué. Alors, pour commencer, vous prenez la WAMP, la hache, vous faites slash slash WAMP. Donc regardez, imaginez que je l'ai pas. Oh là là, je ne l'ai pas. Oh, elle a disparu. Comment se fait-ce? Vous faites slash slash WAMP. Et vous l'avez de retour. Quel magnifique goût réussite que vous avez fait là. Quel magnifique goût réussite. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va copier ce monde de Bilou. Dans Ashenite City, dans un autre monde que j'ai pour la démonstration. Je vais pas copier ça, je vais juste copier cette partie-ci. Parce que j'ai la flemme de tout copier aussi, hein, parce que j'ai un peu. Bah, allez, on va un peu copier plus par là quand même. Pour prendre la fontaine avec. Au moins la fontaine. Non, elle est pas dans mon complet. Ça devrait être bon, elle devrait être. Vous faites comme je fais là, vous mettez un truc vers le dessus. Après, il y a un truc pour. Mais ici, j'ai la flemme de faire, mais il y a un truc qui est faisable pour pas se prendre la tête avec des cubes. Mais voilà. Donc, vous faites tout simplement ça. Vous commencez du haut, hop, et. Ou même l'inverse, je pense que ça change pas grand-chose. Et je pense que c'est mieux peut-être vers le bas. Et vous arrivez vers le bas. Alors, moi, je vais aller assez bas parce que comme ça, je suis sûr que tout est copié. Pour être sûr quoi. Donc hop. Et vous sélectionnez, vous vérifiez bien que vous êtes bien mis. Et vous sélectionnez là, le reste. Et là, du coup, c'est bon. Du coup, après, vous faites slash copie. Là, c'est bon, ça a copié tout ce qu'il fallait. Et après, en fait, vous devez faire slash, 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 schématique. Attendez. Oui, voilà. Là, ce truc-là. Save. Et vous mettez un nom. DC. Où est le bouton? SADC. S3, par exemple. Et vous faites. Hop! Et c'est marqué Saved. Maintenant, on peut aller dans un autre monde. Et je vais vous montrer comment on fait pour aller. Ben, on va aller dans un autre monde. Hein, voilà. Donc, allez, on va dans un autre monde tout mou. Hop, sauvegarde et quitter. Jusque-là, ça change rien parce que c'est en dehors du truc. On revient dans solo. Je vais aller dans Ashenite City. Oui, j'ai beaucoup de maps. Dans celle-là, on rentre dedans. Pop, pop, pop. On attend que ça charge parce que j'ai des modes avec. J'ai 41 modes, je vous rappelle. Pour vous montrer rapidement, ça va être le bordel quand on va copier-coller, mais je vais m'éloigner un peu du truc, mais on s'en fout, c'est juste pour vous montrer comment on fait. Parce que beaucoup de gens. Oui, ça, c'est Twilight Forest qui fait ça ou autre. C'est normal qu'il y a pas mal de modifications, mais ça, on s'en fout. Ça vous aurait pas de votre côté, hein, je vous rassure, c'est parce que moi, j'ai pas que Word Edit, donc du coup, ça fait beaucoup de trucs. Avec 41 modes, on s'en doute. J'ai Forest, Twilight Forest, enfin, je sais plus comment ça s'appelle. Divine RPG, voilà la preuve. Ici, vous voyez des mobs qui viennent de Divine RPG. Donc voilà, c'est le bordel. Je vous montre un peu hein, tous les mobs qu'il y a. Regardez, il y a ce mob-là. Je pense que ça va vous rappeler des souvenirs. Hein. Oui, Bob Lennon. The Dream. The Dream. Voilà. Donc, comment vous dire que. Voilà. Donc ici, on va s'éloigner un peu pour copier-coller mon truc. Je pense qu'on va aller à ce niveau-là. On va un peu s'éloigner quand même encore un peu. Donc c'est pas grave, on a un truc volant. Parce que ici, regardez, j'ai carrément ça. J'ai carrément morph. Vraiment pour vous dire, regardez tout ce que j'ai, quoi. Donc c'est vraiment pour vous dire, ne vous inquiétez pas, c'est normal que j'ai blindé de mode, moi. Je m'amuse comme ça m'amuse de faire ça. Alors ici, on va s'éloigner vraiment très loin. Parce que ça va être une grosse copie. Très 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 loin. Enfin, très 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 loin. Par contre, des mobs gênent un peu. Donc je vais devoir faire un truc quand même en avant. Je sais pas si c'est bon.
Il y en a encore un peu s'éloigner. Je vais mettre. Il me semble que j'ai fait 2, 3, 4 de cubes. Faudrait... Ouais, va être un peu en hauteur, vous en doutez, ça va être de bordel. C'est pour ça que je m'éloigne pas mal. Ça devrait être bon ici, je pense. Regarde, j'ai même un goût coquin ici. Il nous attriste. Du coup, ce qu'on va faire maintenant, c'est l'inverse. Donc d'abord, je vais mettre en paisible pour retirer tous ces mobs parce qu'ils sont assez casse-couilles. Voilà, ça fait beaucoup plus propre. Alors, maintenant, vous faites slash. Donc slash list. Enfin, c'est un truc dans le genre, il me semble, pour aller dans la liste. Que c'était liste. Voilà, schéma liste. Voilà, ça marque ça. DC, et du coup, il faut tout simplement cliquer sur ça. Voilà. Ça dit comme quoi ça a été loadé dans le truc. Si vous faites pas ça, ça sera pas loadé. Hein. Et du coup, après, dès que vous avez fait ça, vous pouvez enfin faire ça slash past. Et c'est bon. Voilà. Et du coup, là, je me pète la gueule. C'est normal. Pas d'inquiétude. Mais si j'étais mort. Donc, je sais pas où elle s'est mise, du coup. Là-bas, je pense. Ça arrive à tout le monde de se fail. Donc là, on a la maison, donc on va le faire ici du coup. Tant pis si ça va sous la maison, donc on va se mettre ici. Éloigner, et cette fois-ci, je vais me mettre en vol, parce que cette fois-ci, je vais pas me faire avoir deux fois. Ça va voler, hein, tant pis, hein. Ce sera une maison. Pourquoi pas, sur une maison volante, hein. Voilà. Voilà, mettre assez haute. Voilà, ça devrait être pas mal et j'aurais pu crever comme j'ai eu la blague avant. Et voilà. Donc ça freeze un peu, c'est normal. Et voilà. Ben voilà, ça a fonctionné cette fois-ci. Veuillez m'excuser pour le fail. Hein. Oula, il y a du... Last time... That day. Donc du coup, il y a deux fois la map, elle est autre part aussi, mais bon, c'est pas très grave en soi. Hein. Et du coup, vous pouvez facilement créer des îles volantes, du coup, MDR. Parce que voilà, ça fait des îles volantes. Regardez le bordel que ça fait. Quoi. Ouf. Attendez, je vais juste déjà réduire mon... Je vais remettre à 8. Voilà, merci. J'ai besoin d'autant de... Combien d'FPS? Ah ouais. On a plus d'FPS ici, mais bon, c'est normal. Donc voilà ce que ça donne. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Comme vous voyez, ça fonctionne super bien. Et j'ai dit, bah, je vous dis un peu plus. Hein. C'est super sympa et cool. Donc, est-ce que j'ai mon père qui monte ? Ça donne bien. Donc voilà, je laisse comme ça, que je vous dis un peu plus et ciao, monde de truscus.